Le 6 mai prochain, de nombreuses personnalités assisteront au couronnement de Charles III à l'abbaye de Westminster. Un événement qui a été décrit comme historique dans un communiqué de Buckingham Palace, en janvier dernier. Le couronnement est un service religieux solennel ainsi qu'une occasion de célébration et d'apparat, avait écrit la couronne, ajoutant que la cérémonie sera tournée vers l'avenir, tout en étant ancrée dans les traditions et un apparat de longue date. Parmi les invités, on retrouve de nombreuses figures emblématiques des autres familles royales européennes, à l'image du roi Willem Alexander et de la reine Maxima des Pays-Bas. Cependant, leur fille, Katharina Amalia, n'assistera pas à la cérémonie. Si la princesse Amalia n'a pas été conviée à la cérémonie du couronnement de Charles III, à l'abbaye de Westminster, elle a néanmoins eu l'honneur d'être invitée à la réception de l'événement. La princesse Béatrix et la princesse Katharina Amalia assisteront à la réception, le 5 mai, a ainsi révélé le blogueur Geert Royal, sur Twitter, ce lundi 17 avril, avant de révéler les raisons qui ont poussé la famille royale britannique à ne pas inviter la princesse lors du couronnement. Chaque monarchie ne reçoit que 2 sièges pour la famille royale lors du couronnement, si est-il pourquoi la princesse Béatrix et la princesse Katharina Amalia n'assistent pas à la cérémonie proprement dite. Amalia et Maxima des Pays-Bas, ambiance décontractée pour leur déplacement dans les Caraïbes et Samalia des Pays-Bas, combien de temps restera-t-elle au Royaume-Uni? Même si elle ne pourra pas assister au couronnement, il y a de grandes chances que la princesse Amalia reste quelques jours supplémentaires lors de son déplacement au Royaume-Uni. En témoignent les révélations de Geert Royal, ce lundi 17 avril. Je pense que la princesse Béatrix et la princesse Katharina Amalia resteront probablement au Royaume-Uni et ne partiront pas tout de suite après le 5 avril, a écrit le blogueur sur son compte Twitter, avant d'ajouter, la belle-fille de Béatrix, la princesse Mabel et ses enfants, vivent à Londres et il reste encore beaucoup à découvrir même si elles ne sont pas au service de couronnement. Et ce serait bien de vivre cette expérience sans pression. Article écrit en collaboration avec 6 Media. Crédit photo, Royal Portrait Europe Bernard Rupsamen.